Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la plateforme sur un épisode de Robocraft. Donc regardez bien, chers amis, on fait dismantle, on fait oui, et on va faire ce que vous me réclamez depuis des mois et des mois et des mois. On va construire un petit peu un robot ensemble. On va voir ce que ça peut donner. J'ai quelques petites idées, je sais pas, je pense pas avoir l'argent qu'il faut pour l'instant, mais on va commencer à le faire. Il ne sera pas entièrement en armored, hein, vous verrez bien. Hop. Crac. Voilà, déjà on commence par ça. Si je peux faire plus pour le lever, je sais plus c'est où. Non, c'est là. Non, c'est pas là. C'est quoi la touche pour le lever? Parce que je sais que les contrôles sont reset de temps en temps, donc c'est casse-couille. Move up. C'est le point et la virgule. Voilà. Je suis perdu. Là, ici, mouvement. Merde, crudique. J'avais oublié ça aussi. Oui, exact, exact, exact. Alors toi, je te pose là. Hop, toi, je te pose là. Toi, je te reprends. J'imagine que c'est parce qu'il n'y a pas assez de hauteur. Pourquoi il veut pas? Évidemment, il a toujours voulu. Forcément, dès que je demande quelque chose, ça marche plus. Putain. Alors, tant pis, on va y aller autrement, comme ça. Donc là ça marche, là ça marche. Là ça marche. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre. Ok. Donc là je peux plus en mettre. C'est là. Et normalement, le voilà. Voilà. Parfait. Normalement. Hop, j'en mets un comme ça là. Je devrais pouvoir en mettre un comme ça ici. Hop. En espérant que ça passe. En espérant que ça passe. Je pense que ça va être un petit peu juste. Peut-être falloir un cube en plus. Hop. On fera les essais. Alors attendez, est-ce que j'ai de quoi aller acheter le mouvement? Le niveau 10 de ceci, il coûte 101 000. J'ai peut-être pas ce qu'il faut. Hop. Là j'ai 2 MK8, je devrais pouvoir prendre ce qu'il faut. Voilà. C'est bien un 10, oui c'est un 10. Parfait. Ok. On n'a plus qu'à faire le test, chers amis. Hop. Il y avait donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubes plus un 7ème. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubes plus un 7ème. Est-ce que là, tu passes? Là, il passe. Et je pense que je peux pas faire mieux. Hop. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, ici, quand même, un minimum. Alors, voyons voir. Est-ce que je pourrais pas plutôt mettre des... comme ça. Hop. Alors aussi, je pourrais penser à mettre le système, hop, de parallélisme, ça pourrait être pas trop mal. Hop, est-ce que ça l'a mis en face du coup? Non, bah non, forcément. Hop. Voilà.
Hop. Voilà. Ça, ça va là. Alors, c'est pas le bon, j'en doutais. Crac. Alors, je le fais de tête, hein. Je copie rien du tout, chers amis, là, actuellement. Hein. C'est franchement... du pif. Mais alors, du pif. Si je fais ça comme ça, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Ça a l'air, on verra bien. Au niveau du châssis, j'en ai que 4 comme ça, mais c'est pas grave, j'en ai rien à cirer. On verra ça une autre fois. Hop. Voilà. Donc, là-dessus, j'aimerais rajouter, chers amis, en mouvement, des legs. Comme vous voyez, ça va être compliqué. Donc, il faudrait que je puisse les poser quelque part. Toujours pas. Bon, bah, attendez, on va faire des essais, c'est pas grave. Ça tombe bien. J'ai un pilier central. Que là ça passerait, là ça passerait, et là ça passerait pas. Donc est-ce que ce serait pas plutôt une question de hauteur? Hop. Alors si je rajoute là. Est-ce que je peux par exemple en placer un ici? Oui. Est-ce que ça touchera le sol aussi? Ça c'est tout con mais... Voilà, si je mets ça comme ça, est-ce que ça touche le sol? Telle est la question, chers amis. Et pour le savoir, on va déjà aller faire un premier tour, c'est pas grave. Hop. En practice. Voilà le mode practice. Alors. Apparemment, ça marche assez bien. Les pieds touchent, parfait. Back to Mothership. Alors, est-ce que ça veut bien? Est-ce que ça veut bien? Ça veut bien. Parfait. Donc c'est efficace. À l'heure actuelle, c'est efficace. Donc il me faudra donc... Hop. Alors je pense à mettre ça. Alors il me faudra donc... 4 cubes avant. Hop. Est-ce que là on est bon? Il semblerait. Hop, je les mets. C'est pas grave. Alors, maintenant. Hop. Voilà. Donc pour l'armature, je place des cubes comme ça, c'est normal. Enfin, c'est une décision que j'ai prise, on va dire. Est-ce que je pourrais par exemple mettre des cubes un peu plus...
Hop. Voilà. Hop. C'est pas trop mal. Donc on reste sur un sniper, hein, je précise. Je pense que pour les autres vaisseaux, par exemple pour le heal ou le heal, je prendrais un overblade. Ou un walker, là. Enfin les nouveaux walkers, vous savez les mechs là. Les gros mechs. Faut que je regarde combien il me reste de cubes de gens là, 124. Ça descend vite, hein. Alors. Hop. Alors sachant qu'ici on a une couche en plus, vous voyez, juste ici. Hop. Je vais mettre mon vaisseau, peut-être pas au plus profond, peut-être rajouter une couche quand même. Je vais mettre mon pilote ici. Alors, ensuite. Là j'ai fait de la merde. Fallait un cube en plus. Voilà. Crac. Oups. J'en avais posé un là, j'ai pas fait gaffe. Alors. Voilà. Crac. Ah, j'ai raté. Crac. 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 Et crac. Et parfait, ça correspond bien. Il n'y a rien qu'à changer. Je suis toujours au bout de mon vaisseau. Il n'y a plus de cubes. Y'a plus de cubes. Parfait, ce n'est pas grave. On va pouvoir commencer à prendre ceci. Ce qui m'embête un petit peu, je dois l'avouer. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Non, j'aimerais les cubes bien noirs, s'il vous plaît. On vient voir noir sur noir ce que c'est. Hop, voilà. Trouvé. Voilà. Hop, hop et hop. C'est une façade, j'aimerais bien qu'il soit quand même à moitié stylé mon vaisseau. Ce serait pas mal. Parfait. Bon, alors, maintenant. Maintenant. Qu'est-ce que j'ai en protection qui puisse faire du 3x3? Il me semble que j'ai ça qui fonctionne très très bien, mais je les ai pas encore en 10. Et ça ne saurait tarder.
Ok. Devant ça, qu'est-ce que je peux mettre qui pourrait refermer entre guillemets la boucle? Ça. Voilà. Par exemple. Donc, sachant que ceux-là, je pourrais par exemple les mettre un peu plus loin. Parce que si je veux protéger un maximum mon truc, mon pilote, il faut que je puisse faire des choses devant lui. Hop. Il va me falloir des cubes comme ça. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre comme cube ici? Parfait. Hop. Faut que je fasse quelque chose de mieux que ça. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Non, je chie dans la colle. Alors, est-ce que j'ai toujours mes oranges? Oui, j'en ai. Histoire qu'on puisse faire quelque chose quand même d'assez stylé. Hop là. Maintenant, au niveau du hardware donc et de ces trucs là, est-ce que je peux toujours les mettre? Parfait. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, si je place ceci devant. Que ça donne accès à une certaine protection. Je pense pas. Parce que de toute façon, mon vaisseau reste toujours très très plat. Alors. Voyons voir ce qu'on peut faire avec des cubes oranges. Combien que j'en ai de cubes oranges? Encore 6. Hop. 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 Déjà ça. Ensuite. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Ça se passe plutôt bien. Combien qu'il m'en reste, parce que ça descend vite, 121. Tête de short. Hop. Ok.
Ok. Alors. Maintenant. J'en ai que 20 comme ça va être violent. Hop. Ici, qu'est-ce que je pourrais mettre qui collerait? Ça? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et derrière, je pourrais mettre quoi? Des normaux. Ça jure, mais c'est pas grave. De toute façon, quand on aura l'argent, on mettra ce qu'il faut dans la beauté du truc. Hop. Hop. Voilà, déjà ça. Bon, je pense qu'on a un châssis assez solide maintenant. Maintenant, on va aller voir s'il tourne, s'il vole toujours. Ça serait pas mal. Alors, faisons les essais. Il a un petit peu de mal à voler, hein. Bon, alors, on va devoir ajouter un petit peu quelques boosters. Quelques petits boosters de la mort. Et quand je dis petit, c'est souvent pour dire trop gros. Donc bon. Mouvement. Au niveau des boosters, j'ai 2 MK10. Et 2 MK6. Voilà, si je prends ça et que je les mets là. Hop. J'étais pas en... Non, j'étais pas en... Ah, j'ai pas ce qu'il faut. J'ai pas ce qu'il faut. Hop. Hop. Ah non, là, ça protège plus, là. Là, c'est pas top. Voilà. Comment je vais faire ça? Hop, retentons. Peut-être qu'avec... C'est peut-être rien des fois. Hein. Des fois, c'est vraiment rien. Ça va être quelque chose. Putain. Ça va être quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a des héliums? Non, on n'en a pas. Sur le prix que ça coûte, ça m'étonne pas que j'en ai pas. Qu'est-ce qu'on a? On peut peut-être réduire un petit peu le poids du vaisseau. Mais ce serait peut-être pas méga utile. C'était des MK combien ça? MK2, ouais. Si je revends mon bordel, le bordel de merde que j'ai, peut-être que je peux acheter des trucs un peu mieux. Alors voilà, si je revends ça par exemple. Ouais non, j'ai rien à pouvoir acheter avec ça.
J'ai pas envie de revendre ma grosse legs là. Bah, je vais la revendre, c'est pas grave. 89 000. Je devrais pouvoir m'acheter. Ouais, mais ça va être trop gros. Ha! Je vais partir sur des MK4. On verra bien. Est-ce que c'est plus gros? C'est beaucoup plus gros. Hop. Ah, un instant. Heureux, chers amis. Donc, j'ai rajouté quand même un petit truc là-bas. Voyez, hop. Je vais rajouter deux petits aussi ici. On repart en practice vite fait. Est-ce que ça suffit? Apparemment, ça suffit. Apparemment, on est bon, chers amis. Bon. Bon, par contre, vous voyez qu'il y a quand même un énorme. Enfin, un énorme. Comment dire? Un énorme élan. C'est un élan, c'est ça, c'est un élan. Qu'il nous faudra contrebalancer. Alors, pour ce faire. Après mûre réflexion. Alors, il faudra aussi que je rajoute de la protection ici. Hein, ne vous inquiétez pas, c'est prévu. D'ailleurs. Hop. Voilà. Si je peux rajouter quelque chose genre ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas mis le. Hop. Voilà. Ok. Tant pis pour la gueule maintenant, j'avance plus au niveau de la gueule, enfin pas que au niveau de la gueule. Ah! Il me manque des cubes! Il me manque des cubes! De toute façon, ça c'est l'arrière, je suis con. J'aurais pas à mettre de cubes comme ça à l'arrière. Même si le problème reste le même à la fin. Qu'est-ce que je peux mettre comme cube? Je peux mettre des cubes comme ça. Ça va être tout moche, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Avec un peu de chance, je peux rajouter ça. Sans que ça fasse trop moche. Voilà. Bon. De ce côté-là, on est bon. Pour compenser le l'élan. Je me suis dit que j'ai deux MK10. Je pourrais peut-être les placer ici. Ça rend pas trop mal. Maintenant, on reteste. Croisez les doigts. Hop. Ah, il pointe vers l'avant maintenant. C'est nouveau. C'est sans doute à cause du faux équilibrage, du mauvais équilibrage des commandes boosters en fait. S'il faut, je rajouterai des boosters plus puissants à l'avant pour équilibrer le fait qu'on avance, vous savez. Ah bah non, ils pointent pas à l'avant en fait, c'est juste. Ah, on va refaire l'essai. Hop, juste pour voir. Si je les ravance d'un point, peut-être que ça va le faire relever, mais je pense pas. Au contraire, ça va peut-être le faire piquer plus. Oula! Alors, chose à ne surtout pas faire en fait. Ça, c'est dangereux comme tout. Bla! Ah, bah, comme ça, une erreur fatale.
Bon, re, chers amis, donc, dans le prochain épisode, je pense qu'on ira mettre ce qu'il faut par-dessus pour s'assurer encore que ça fonctionne comme il faut. On mettra, c'est-à-dire, l'armement. L'armement. Et je crois que je viens de me rendre compte d'une merde. Ah non, c'est bon. On mettra donc l'armement. Donc, en l'occurrence, on va voir si on peut déjà les placer. Après tout, si on peut les placer, ce serait cool. Hop. Ah mince. Ça me semble bon. Ça me semble bon aussi. Ça, je m'en doutais un petit peu. Je m'en doutais que ça allait être un petit peu catastrophique au niveau de celle-ci. Hop. Je pourrais peut-être... continuer comme ça. Hop, si je continue comme ça et que je rajoute ensuite ces cubes là. Mince. Dans le bon sens, c'est mieux. Est-ce que par exemple là, je peux la mettre? Là, je peux la mettre, ce qui m'en fait 5 au total. Ok. Donc là-dedans, je vais tomber en rate de cubes. Donc je pourrais peut-être mettre des cubes comme ça. J'en ai passé, c'est cool. Peut-être que spécialement, je pourrais mettre que du orange. Même pas. Hop. Sauf si... ah mince, j'aurais bien aimé pouvoir la placer ici. Ah dommage. Vraiment dommage là. Hop. Et si je rajoute un petit peu quelques couches, peut-être que ça pourrait être bon. Retenez votre souffle. Hop. Non, il faudrait que je la rajoute sur la dernière longueur, je pense. Là. Encore plus haut. Là, putain. C'est limite si ça fait plus très si ça fait pas moche là. Et quand je le dis comme ça, c'est juste pour pas dire que c'est moche, justement. Et j'ai même plus les cubes qu'il faut pour les mettre derrière. Ah bah non, mais comme ça, c'est génial. Ça va faire très très moche, c'est pas grave, j'ai l'habitude. On va mettre un cube blanc. Non, un cube vert. Hop. Voilà. C'est très très moche. C'est très très moche. Et ensuite, on va placer, tant pis on le fait dans cet épisode, c'est pas grave. Je sais même pas si ça va marcher, il faudra refaire les ajustements en plus dans le prochain. Vum vum. Et j'ai atteint, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Note 9 CPU. Putain! Bon! Bah allons le faire fonctionner, on va bien voir. Moment de vérité. Est-ce qu'il vole toujours?
Pas très haut, mais ils volent. Ah non, ils volent plus, ils sautent. Ils volent plus, ils sautent. Dommage. Ok. Donc il va nous falloir un peu plus de puissance, chers amis. Non, les MK6 ça va pas le faire, il va falloir des MK4. Donc je vais vendre deux MK6 en espérant pouvoir me payer des MK4. Ça devrait être bon. Attendez, attendez, attendez. Je compte. J'en ai actuellement 4. Donc je devrais avoir besoin de ça. Je sais même plus compter. C'est pas grave. Qu'est-ce qui leur arrive à eux? Là? Je préfère ça? Voilà, là ça devrait être suffisant niveau puissance, je pense, hein. Autant vous le dire tout de suite. Ok. Un dernier petit test pour la route. Voilà, c'est assez puissant. Hop là, par contre, oui, il y a toujours un élan monstrueux. Hein. Ah, c'est pas assez puissant au final. Hop là. Je serais bien un peu trop lourd pour les côtes, c'est génial. C'est génial. Hop! Allez, saute! Bla! Bon, il y aura encore des trucs à faire, on va le tester, hein. On verra s'il est bon ou pas. Je pense pas. Franchement, vu comment il grimpe les côtes, je pense pas. On verra bien. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode, n'hésitez pas encore à me proposer des vaisseaux sur Robocraft. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures.